progrès ont été constatés, qu'est-ce que le public peut retenir en termes de votre intervention dans quelques 2-3 mois à peu près? Ben écoutez, comme il a été dit à l'attention de Monsieur le Premier ministre, nous attendons plus que l'arrivée de l'énergie électrique. Les travaux sont en cours, les progrès sont positifs. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, le public sera servi avec un ciment de qualité, produit avec les matières premières locales, vu que 95% des matières premières qui rentrent dans le processus de fabrication de ciment sont tout à fait locales. On les trouve ici, chez nous, dans notre pays. Et quel est aujourd'hui le taux de réalisation de l'exécution de ces projets? Ce qu'on peut vous dire en ce qui concerne les gros œuvres, on est à 99,99%. En ce qui concerne les machines, l'installation des machines, nous sommes à 99,9%. Mais il nous reste rien qu'un petit chaînon manquant, c'est l'énergie électrique qui va bientôt arriver. Le gouvernement a autorisé la SNEL à importer des équipements électriques en exonération de droits et taxes. Et le ministre des Finances, il y a quelques jours, a signé la liste des équipements de SNEL. Et ce qui fait que les travaux ont repris de plus belle. Sur les 49 conteneurs qui étaient stationnés au port de Matadi, 21 conteneurs sont déjà sortis et le reste suit son cours. Ce qui veut dire qu'à fin octobre, nous allons avoir de l'électricité sur notre site. Si pas fin octobre, ce sera mi-novembre. Et je peux vous assurer que dans le mois de décembre 2016, nous produirons le premier sac de ciment. Le ciment qui sortira de votre usine, est-ce qu'il y aura-t-il de caractéristiques particulières par rapport à d'autres ciments? Une chose, c'est que le ciment a plusieurs grades. Il y a le 22.5, le 32.5, le 42.5 et le 52.5. Tout dépend de l'usage que vous voulez faire du ciment. Si vous voulez faire seulement le plâtrer votre mur, vous pouvez prendre le 22.5. Si vous voulez construire votre maison, vous n'avez pas besoin d'un 42.5, vous prenez le 32.5. Mais lorsqu'il s'y est, par exemple, de construire des ponts, des routes, des chaussées, en ce moment-là, on recourt au 42.5. Mais lorsqu'il s'agira, par exemple, de construire le barrage Inga 3, en ce moment-là, nous serons en mesure de fournir au constructeur qui sera retenu le 52.5. Donc, dans le ciment, il y a plusieurs grades. Okay. Merci beaucoup. Ben, écoute, c'est moi. Ou si vous avez un message à lancer aux autorités, vous pouvez le faire. Mais tout ce qu'on peut dire aux autorités, d'abord, merci beaucoup d'être venu vous rendre compte des progrès réalisés grâce à l'accompagnement du gouvernement. Nous ne pouvions réaliser ce projet sans l'accompagnement du gouvernement à travers les différentes facilitations qu'on a obtenues. À ce titre, je voulais aussi signaler qu'il y a parmi les administrations qui nous ont vraiment soutenus, il y a la DGDA, il y a la DGM, il y a la DGI et la DGRAD. Je pense que le service public joue son rôle. Pourquoi joue-t-il son rôle? Parce que ça veut dire que se rendre compte que pour que ce pays se développe, il faut qu'il y ait une amélioration du climat des affaires. Mais ce projet, je peux vous le dire à ne point douter, est le projet phare qui caractérise quoi? C'est l'amélioration notable et continue du climat des affaires en RDC. Et nous en sommes très fiers. Et aux populations, futurs consommateurs? Et aux populations, futurs consommateurs, l'éléphant arrive et il va vous livrer le ciment pour bâtir vos maisons et léguer à vos enfants un patrimoine impérissable. Merci beaucoup. Les ministres ne peuvent même pas signer. Si je pouvais avoir la signature de parce que lui, au moins, il peut. Oui, monsieur Bamanissa, pouvez-vous nous dire quel est l'enjeu qui représente le PPC Barnett ici en République démocratique du Congo? Mais une idée qui est partie des années 2004, qui a été renforcée en 2006, un programme sur les 5 chantiers, la reconstruction, la révolution de la modernité sur l'ensemble du pays. Et nous avons pensé, après l'importance de mettre des zones franches, celle de Maluku et celle de Kimpese, implémenter en tout cas une industrie qui puisse devenir le moteur.
C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui d'autres industries sont parties. C'est parti de ces études que nous avons menées, que nous avons expliquées même au niveau de l'Assemblée nationale en son temps. Et aujourd'hui, PPC Barnett va bientôt produire du ciment. La production qui est ici est trois fois supérieure à celle qui existe à ce jour dans la partie ouest. Vous avez visité une autre usine et nous voulons faire de cette zone une zone économique spéciale, attirer encore plus d'entreprises, plus d'industries, parce que l'électricité est là, les infrastructures sont là et il y a la possibilité vraiment de faire une expansion très grande et de donner de l'emploi. Et vous avez vu la dernière fois, nous avons lancé un cadre de réflexion, Expo Béton, qui pourra justement donner la possibilité à tous ceux qui sont dans ces secteurs, que ce soit l'habitat, que ce soit les infrastructures, que, sous forme de partenariat public et privé, que ce soit là où on doit aller le faire, donc avec le nouveau plan d'aménagement, que ça, ici au Congo central ou à Kinshasa, en tout cas dans cette zone où la couverture de cette production va nous permettre. Nous sommes en tout cas ouverts à toute forme de collaboration pour permettre à ce que le ciment puisse accéder aux professionnels et ainsi reconstruire notre cher et beau pays. Et quel est le niveau d'exécution des travaux à ces jours en rapport, en termes de pourcentage par exemple? Écoutez, on a fini l'usine à 96%, donc l'usine est pratiquement finie, vous avez vu là, mais nous sommes butés à un retard sur la connexion électrique. Et qui a pris du retard, donc malheureusement. Sinon, le premier sac de ciment serait déjà sorti. Merci. Merci. Nous voulons savoir quel est l'apport que ces deux usines, de ces deux usines dans votre province ici. Je ne dirais pas l'apport dans le Congo central, mais dans le pays. Je vais être très bref. Je vais parler des trois apports. Le premier apport, c'est sur le plan de la production industrielle du ciment. Notre pays a une demande intérieure de plus de 3000 tonnes de ciment. Les deux cimenteries ici, avec la cimenterie de Lukala, vont nous amener à 2 500 000, 3 millions de tonnes de ciment par an. Donc, ça résout un peu les déficits du ciment dans le pays. Le deuxième apport, c'est du point de vue des emplois. Vous avez suivi, c'est des cadres, c'est les emplois indirects, de plus de 10 000 emplois indirects. Vous savez que le chômage n'est jamais bon dans un pays. Et ici, c'est du concret. Le troisième apport, c'est du point de vue de la classe moyenne congolaise. Dans cette cimenterie, vous avez mon collègue Bamanissa, qui est congolais, actionnaire. Donc ça signifie qu'il y a aussi la classe moyenne congolaise qui est en train de naître, parce que le chef de l'État ne cesse d'insister pour qu'il y ait une classe moyenne congolaise qui puisse contrôler l'économie. Donc à ce stade, je ne peux que me limiter à ça, parce que j'ai beaucoup à dire. Prochainement, je vous inviterai dans la mesure où la province du Congo central, depuis que nous sommes là, connaît déjà plus ou moins, a connu en termes de chiffres plus d'un milliard 500 millions de dollars d'investissement. Le décimenterie, c'est 700 millions de dollars américains. Quand vous y ajoutez ce qu'on est en train de mettre dans les routes de Kinshasa, Matadi, Boma, Mwanda, et puis Lufu, et puis Boma Tchela, vous êtes dans les 300 millions. Vous êtes déjà à 900 millions. Vous ajoutez l'usine d'engrais chimiques qui est aussi prête au niveau de Boma. 100 millions. Ça fait 1 milliard. La Banque mondiale ne nous a pas abandonnés avec la Banque africaine de développement. Nous avons enregistré plus de 200 millions d'investissements de la Banque mondiale ici. Dans la zone où nous nous trouvons, on va avoir une unité de transformation des produits agricoles à Kimpese, plus le parc agro-industriel à Louos, ici, dans la zone où nous trouvons. Donc, j'ai beaucoup à dire, mais je vous appellerai prochainement pour tourner
un documentaire. Merci, excellent. C'est moi qui vous remercie. C'est quoi ça? C'est à faire pour ce boyard, c'est pas de bon.